le déroulement de l'opération de vote et nous avons aussi observé la clôture du bureau de vote et le dépouillement. Mais ensuite, la CIMOCEL a observé de façon très particulière ce qu'on appelle les incidents qui se sont dégagés autour de tout ce processus. Globalement, le rapport de la CIMOCEL note que l'ouverture du bureau de vote a été très difficile parce que nous n'avons que 32% de bureaux de vote qui ont ouvert à temps, alors qu'on a 5 à 6% de bureaux de vote qui ont ouvert en retard sur un échantillon de 2700. Et donc, c'est assez inquiétant. Et sur les bureaux qui ont ouvert en retard, on constate que le retard est allé de 8h30 jusqu'à 17h. Et puis ensuite, on sait que la CENI a ajouté un jour supplémentaire pour des bureaux qui n'avaient pas ouvert et que parfois, on a assisté à des bureaux qui ont fonctionné au-delà de 72 heures, ce qui rend totalement difficile de suivre quelle a été l'heure d'ouverture du bureau de vote, quelle a été l'heure de fermeture du bureau de vote. Quoi qu'il en soit, il faut aller aussi autour du déroulement de vote pendant la journée. On va constater qu'il y a eu énormément de problèmes, notamment avec le fonctionnement de matériel, avec l'ouverture de bureaux, avec des conflits, l'interruption du bureau de vote. Et donc, il faut voir que globalement, on a autour de 15% de bureaux de vote hein, qui ont interrompu leurs opérations au-delà des 30%, ce qui est suffisamment énorme. Mais d'autre part, tout en soulignant le cas d'incident, on verra qu'il y a eu énormément d'incidents, c'est 25% d'incidents qui ont concerné des femmes. Donc nous avons autour de 146 femmes qui ont été victimes de ces incidents. Mais il est très très intéressant aussi de regarder non seulement les auteurs, mais aussi les victimes. En termes d'incidents sur l'échantillon de 2700 rapports que la CIMOCEL a observés, nous sommes autour de 903 incidents. Ce sont des incidents de nature diverse, ça veut dire vous avez des incidents majeurs et puis vous avez des incidents mineurs. Mais globalement, on arrive en termes d'auteurs d'incidents, nous avons 46% qui sont les électeurs. Ce sont les électeurs qui ont provoqué des incidents, 46%. Nous avons autour de 26%, ce sont les agents de la CENI. Et puis, vous avez les autres pourcentages, ce sont les candidats et les témoins des candidats qui ont été les auteurs. C'est parce que la CENI va publier son rapport le 31, et des bonnes pratiques, c'était que la CIMOCEL sorte aussi son rapport préliminaire. Mais il faut rappeler que le rapport préliminaire de la CIMOCEL devait déjà être publié à la date du 21 et que la CIMOCEL a repoussé. À la date du 21, la CIMOCEL a fait déjà sa déclaration préliminaire. Et donc la CIMOCEL a été en avance par rapport à la plupart des missions. Mais étant donné que la CIMOCEL devait observer la fermeture de tous les bureaux avant de donner son rapport préliminaire, et que la CIMOCEL, sur ce point, était en train de... C'est un travail très fouillé sur lequel elle est revenue pour essayer, notamment elle attendait certaines précisions de la CENI qui ne sont pas venues. Et donc, c'est de bonnes pratiques que la CIMOCEL se conforme, comme les autres, missions, et publie son rapport préliminaire avant que la CENI ne publie le sien. Là, nous rappelons que la CIMOCEL a travaillé... Vous savez, il y a eu deux types d'observations. Le classique avec le PVT. Le PVT, ça veut dire une observation qui est fondée sur la quantification des résultats. Mais pour la CIMOCEL, qui n'a pas enclenché sur le PVT, le but était d'observer la qualité. Et donc, dans l'observation de la qualité, il y a ce qu'on appelle la grille des standards ou des principes directeurs. Et sur cette observation de la grille des principes directeurs, La CIMOCEL chute sur trois questions qui sont des questions majeures qu'elle pose en fait. Premièrement, c'est quelle va être l'incidence de ces incidents sur le taux de participation. Et donc, nous verrons le taux de participation que la CENI va donner. Et là, nous pourrons dire, voilà, le niveau d'incidence ou d'impact de tous ces incidents sur le taux de participation. La deuxième question que la CIMOCEL se pose, est-ce que tous ces incidents et toutes ces irrégularités qui ont été observées, est-ce que c'est dû aux défis logistiques non surmontés ou cela dépendait d'une stratégie? Et s'il y a une stratégie, elle visait quoi? Ça, c'est la deuxième question.
Et la troisième question, c'est les irrégularités elles-mêmes, notamment la CIMOCEL a saisi la CENI par rapport à la question du dispositif électronique de vote, les irrégularités elles-mêmes. Quelles peuvent être les répercussions de ces irrégularités sur les résultats? Ça veut dire, à ce niveau, dans une analyse de la qualité, hein, qui n'est pas de quantité, la CIMOCEL reste un tout petit peu sur ces questions qui sont posées et sur lesquelles elle va revenir dans son rapport final. Son rapport préliminaire, qui se décline en quelques points, notamment une introduction, une cartographie du contexte pré-campagne. Et nous allons voir que celui-ci comprend plusieurs points, hein, notamment le contexte politique, le cadre juridique. Nous y parlons de l'administration électorale. Nous y parlons aussi de l'opération d'identification enrôlement des électeurs. Nous y parlons de la réception, traitement et contentieux des candidatures. Et enfin, nous y parlons de la campagne électorale, de l'accès aux médias, de la candidature des femmes. Et le troisième point lui-même fait l'objet, en fait, de notre rapport préliminaire proprement dit, ça veut dire l'observation du jour des scrutins, les scrutins du 20 décembre 2023. D'observation CIMOCEL a observé et suivi les activités de la CENI dans la planification des opérations, dans l'identification et l'enregistrement des électeurs, la réception et le traitement du contentieux des candidatures et évidemment le déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023. La CIMOCEL a observé le processus au cours de toutes ces opérations dans la totalité. Elle poursuit son objet qui est de promouvoir des élections démocratiques en République démocratique du Congo et a conduit une observation citoyenne, professionnelle, c'est-à-dire impartiale, objective et indépendante. Ses conclusions et recommandations sont donc fondées sur la conformité du processus électoral au regard du cadre normatif, aux standards internationaux relatifs aux élections dans une approche de droits humains. Son dispositif de déploiement est constitué d'une équipe cadre qui est composée de 10 personnes, 5 superviseurs des pôles, 8 analystes, 275 observateurs de long terme, qui ont été déployés hein, dans les 25 chefs-lieux des 25 provinces, hein, en plus de la ville de Kinshasa. Pour le jour des scrutins combinés du 20 décembre, présidentiels, législatifs provinciaux et municipaux, la MOE CIMOCEL a introduit 20 000 demandes d'accréditation en bonne et due forme auprès de la CENI dans les différentes provinces, mais n'en a obtenu que 12 000. Et faute de moyens, la CIMOCEL a gardé les autres accrédités comme réserve de déploiement. Nous verrons tout à l'heure comment est-ce que la CIMOCEL a déployé. Ainsi, le jour de scrutin, la CIMOCEL a déployé 3120 observateurs de court terme qui ont été constitués en binôme et déployés pour couvrir 4680 sites de vote et 14 080 bureaux de vote, ce qui fait un pourcentage de 35% de bureaux de vote et centres de vote. Ces observateurs ont suivi l'ouverture du bureau de vote, le déroulement de l'opération de vote, la clôture des scrutins ainsi que les dépouillements du vote. Les observateurs de la CIMOCEL ont continué à suivre la publication des résultats à partir du centre Bossolo mis en place par la CENI. La présente déclaration préliminaire, hein, ne porte que sur les opérations ainsi mentionnées
elle se structure donc autour de quatre points majeurs, à savoir la cartographie du contexte pré-campagne, la campagne électorale elle-même, l'observation des scrutins. Ensuite, nous allons avoir les recommandations, hein, qui constituent aussi des conclusions. Évidemment, un rapport final de la CIMOCEL va être rédigé dans les mois qui viennent autour de la totalité du déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023. En ce qui concerne la cartographie du contexte pré-campagne, nous devons noter que ça a été un processus caractérisé par la méfiance entre les parties prenantes, les défis sécuritaires qui sont exacerbés par la guerre, hein, persistante de l'agression à l'est du pays, les conflits intercommunautaires, hein, souvenez-vous, pas seulement de conflits intercommunautaires entre les communautés katangaises et kassaïennes au niveau de Kassoumbalessa et de... comment ça s'appelle encore? Oui, Manono. Malimbankulu. Mais c'est dans le Haut-Katanga, aussi dans le Kulu ici, dans le Kwamut, où on a observé ce conflit intercommunautaire qui a persisté dans le Maïndombé. Mais à cela, il faut ajouter les nombreux défis logistiques auxquels la CENI a été confrontée, mais pas seulement la CENI, mais aussi les missions d'observation ont été confrontées. Alors, je pense que les détails sur ce contexte politique est détaillé dans notre rapport. Vous pourrez y avoir accès, mais l'on ne pourra pas oublier ce qui s'est ajouté, c'est le conflit intercommunautaire dans la province de la Tchopo. Il faut y ajouter les déplacés des guerres à la fois en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Et donc, le déploiement des opérations a rencontré aussi des difficultés, hein, sur le plan logistique, qui rentre vraiment dans le cadre de l'analyse de ce processus. Dans ce rapport, vous verrez qu'au niveau du cadre juridique, la CIMOCEL a relevé, a priori, que le pays dispose d'un cadre juridique normatif sur le plan des élections. Ce cadre est suffisamment conforme aux normes internationales et aux standards internationaux, parce que la RDC a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux qui placent notre cadre normatif sur l'alignement des standards. Il est quand même à noter que en dépit de ces réformes, la CIMOCEL note que le pays a signé mais n'a pas encore ratifié la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, qu'on appelle la CADEG. Pourtant, un texte véritablement révolutionnaire en ce qui concerne l'obligation ou le droit à des élections démocratiques en Afrique. Il n'a pas non plus adopté la loi concernant les manifestations publiques, dont la proposition a été renvoyée en seconde lecture et qui n'a pas été promulguée à ces jours. En ce qui concerne l'administration électorale, c'est la CENI en fait, ici chez nous. Il faut voir que l'article 5 de la Constitution de la RDC déclare que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par la foi la voie du référendum ou des élections, et c'est la CENI qui est l'organe attitré. La MOE CIMOCEL, partant des prérogatives qui sont reconnues à la CENI par les instruments juridiques ci-dessus indiqués, lui a reconnu qu'elle a publié le calendrier électoral dans le délai. Elle a fait l'effort de respecter globalement son calendrier tel que publié. Elle a organisé les élections dans le délai, selon le calendrier qui avait été adopté. Et si ceci, malgré tout le monde est conscient de ça, d'énormes défis logistiques et aussi d'énormes défis de financement. Mais la MOE CIMOCEL relève cependant les constats suivants. Le déficit de sensibilisation des électeurs sur plusieurs points, notamment
l'utilisation du dispositif électronique de vote, le manque de consensus avec les parties prenantes sur des questions pertinentes tout le long du processus électoral, le manque de transparence dans ces procédures de passation de marché public ainsi que dans l'élaboration et l'exécution de son budget, des faiblesses en ce qui concerne le déploiement du matériel électoral ayant entraîné le retard qui est allé parfois de 8h30 à 17h. Et vous savez que ceci a heurté plus ou moins l'article 52 de la loi électorale. À ceci, on peut noter aussi une gestion moins efficiente du matériel électoral ayant entraîné des dérapages et des cas de violence le jour des scrutins. Il faudra noter que, en plus de tout ce qu'on peut reprocher à la CENI, on peut noter quand même qu'elle a collaboré aussi avec l'IGF et qu'il y a des choses qu'elle a fait, des efforts qu'elle a démontrés. Lamont et Simoncel a noté que la CENI a mis en place et convoqué des cadres de concertation comme instance d'information et d'échange avec les parties prenantes au processus électoral, même au niveau le plus élevé, notamment avec les candidats à la présidence de la République. La Simoncel a noté aussi que la CENI n'a pas pu capitaliser ce mécanisme pour construire le consensus et permettre la résolution de certaines divergences sur des questions telles que le fichier électoral, l'organisation des élections et le mode de transmission des résultats de vote. Identification et enrôlement des électeurs. On notera que cette opération a été caractérisée par l'engouement des électeurs, les défis logistiques, et que cela a abouti par toute la discussion autour du fichier électoral, l'audit de ce fichier électoral. Réception et traitement des contentieux des candidatures. Sur ce point, la CENI avait réceptionné 24 candidatures et en a retenu en définitive 24 à la présidence de la République. 23 653 aux candidatures législatives, 49 209 aux provinciales et 32 000 aux municipales. La plupart des parties prenantes ont salué le fait que la CENI avait retenu les 26 candidatures. Après le contentieux des candidatures, la Cour constitutionnelle a retenu 26 candidats en repêchant 2 supplémentaires. La campagne électorale. La campagne électorale a connu une animation très particulière, 26 candidats, mais parmi ces 26 candidats, la Simoncel a noté 3 principaux qui ont émergé et qui ont battu une campagne de pointe, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Ces candidats ont abordé de nombreux thèmes. Le bilan du chef de l'État sortant, notamment la gratuité de l'enseignement, les soins de santé, les maternités, les réalisations, les questions des infrastructures, les questions sociales, les défis sécuritaires, les relations avec le Rwanda, et puis tous les sujets comme les sujets de nationalité, et on a aussi vu le débat sur le LGBT, ça veut dire le genre. Évidemment, la question du dollar, les autres questions sociales se sont invitées au débat. La Simoncel a constaté, pendant cette campagne électorale, des cas d'atteinte aux libertés fondamentales. La présence des véhicules de l'État à certains meetings de campagne des candidats, animateurs des institutions publiques, donnant l'impression qu'ils auraient bénéficié des ressources et autres biens de l'État, tels que le personnel de l'État.
ce qui constituerait une violation de la loi électorale qui proscrit l'utilisation de moyens de l'État, en dépit de leurs dénonciations par certaines parties prenantes et par beaucoup d'émissions. Ces faits n'ont pas été suivis de repression ou de saisine par les instances judiciaires. Lamont et Simoncel a aussi relevé que sur un total de 97 rapports reçus des terrains pour la campagne électorale, des discours de haine ont été tenus dans 16% des cas. Dans 20 rapports, soit 6% des meetings de campagne observés, les candidats et les participants n'ont pas été à même d'exercer leur liberté fondamentale suite aux cas de violence, d'agression, d'intimidation ou de non-respect des dispositions légales qui organisent les manifestations publiques. Bien plus, seulement 73% des meetings de campagne observés ont été couverts par les forces de l'ordre, la police. Lamont et Simoncel a déploré la perte en vies humaines qui ont eu lieu pendant cette période de campagne. Parmi les militants des partis politiques, il y a eu des blessés et des candidats aux élections législatives, le non-respect des libertés d'expression, d'opinion et de manifestation des uns par les autres, les actes et les propos de tribalisme ainsi que des attaques ciblées entre les candidats. Lamont et Simoncel a noté avec amertume que la campagne électorale et l'approche des scrutins ont donné lieu à des attaques ciblées entre certaines tribus vivant en bonne entente, comme ce fut le cas à Kasumbalesa, à Malembankoulou, des actes qui mettent en mal le vivre ensemble et la cohésion nationale. Sur le plan des médias, Lamont et Simoncel a noté le caractère fortement partisan des médias pro-majorité et pro-opposition. Cet état de choses a influencé négativement la couverture médiatique en général et celle du processus électoral en particulier. Elle a constaté la forte inégalité du temps d'accès des candidats aux médias publics en faveur des formations politiques et des candidats proches de la coalition au pouvoir. Candidature des femmes, il faudrait dire un mot sur la candidature des femmes. Pour les scrutins du 20 décembre qui viennent de passer, Lamont et Simoncel a enregistré a noté qu'il y avait deux candidatures des femmes sur les 26. Le taux de candidature féminine était de 17% à la députation nationale, de 28% à la députation provinciale, de 43% au municipal. Et donc, les dames étaient plus nombreuses au municipal. Lamont et Simoncel note que ce faible taux de candidature des femmes augure une faible représentation des femmes dans les prochaines assemblées nationales, provinciales et municipales. Revenons maintenant à l'observation du scrutin, à l'observation le jour du scrutin combiné le 20 décembre. La Simoncel a observé les scrutins de façon factuelle pour dégager l'observation de différents aspects du cadre légal et le respect des principes directeurs. Cette observation, sur base des standards de qualité, vise à vérifier la consolidation de la démocratie à travers la mise en œuvre des opérations électorales. Pour la Simoncel, les formulaires d'observation ciblaient les aspects suivants. Accréditation et déploiement des observateurs et des témoins des partis politiques. L'environnement et l'ouverture des bureaux de vote. Le déroulement des opérations de vote. La clôture et le dépouillement des bulletins de vote. Pour chaque opération, la Simoncel a œuvré à collecter les indicateurs prévus par les mesures d'application et à confronter le niveau de mise en œuvre avec les standards des élections démocratiques. Le présent rapport préliminaire
se base sur le traitement de 2700 rapports remontés par les observateurs des 26 provinces. L'analyse de 903 rapports d'incidents de diverses natures. La capitalisation des informations, des rapports et des médias. Premièrement, la collecte et la remontée des données d'observation. La collecte et la remontée des données d'observation s'est faite au moyen de l'application de la CIMOCEL qui s'appelle CIMOAP. Celle-ci est faite des formulaires électroniques qui reprennent les aspects majeurs d'observation des différentes phases du jour du scrutin, à savoir l'environnement et l'ouverture du bureau de vote, l'opération de vote, la clôture et le dépouillement, et puis les incidents. Chaque formulaire d'observation était personnalisé et portait la mention de la province, du territoire et du code de chaque observateur, permettant ainsi d'évaluer à la fois la progression du déploiement des observateurs ainsi que celle de la collecte des données. La remontée des données s'est faite instantanément par CIMOAP pour un traitement rapide, et ce, en temps réel, au fil du déroulement des opérations de vote. Vérification de l'information collectée. La MOE CIMOCEL a mis en place un système de contrôle qualité des données collectées qui a consisté à ne comptabiliser et à ne traiter que les données provenant des observateurs ayant répondu à toutes les questions relatives à une phase donnée. Ce qui fait que, vous allez voir, nous avons déployé 4 000 observateurs, 4 120 le jour, mais pour le moment, nous traitons 2 700 parce qu'il y a tous les autres rapports qui sont arrivés, mais il y en a qui n'ont pas passé le contrôle de qualité conformité. Les statistiques de l'observation du jour du scrutin. Il faut donc noter qu'au finish, à la fin de la journée, la CIMOCEL a répertorié 4 350 observateurs qui ont confirmé leur présence à 5h45. Phase d'ouverture des bureaux de vote. À la phase d'ouverture des bureaux de vote, la CIMOCEL a noté 779 bureaux de vote ont ouvert à l'ouverture prévue, soit 32,34%. 1310 bureaux de vote ont ouvert en retard, soit 54%. Ce retard s'est étalé entre 8h30 et 17h. Des bureaux de vote ont ouvert le lendemain sur décision de la CENI et ont fonctionné sur les 3 jours qui ont suivi, rendant difficile l'évaluation du respect des heures d'ouverture et des fermetures des bureaux de vote. 320 bureaux de vote n'ont pas ouvert, soit 13%. 2187 bureaux de vote, soit 90%, avaient du matériel de vote. 136 bureaux de vote, soit 6%, n'avaient pas de matériel de vote. 86 bureaux de vote, soit 4%, n'avaient pas encore ouvert. La MOE CIMOCEL note que dans 1385 bureaux de vote, soit 57,49%, le processus d'ouverture s'est déroulé sans irrégularité. Respect des procédures. La MOE CIMOCEL a relevé les éléments suivants dans le bureau de vote en ce qui concerne le respect des procédures. Dans 4% des bureaux de vote, l'emplacement de l'isoloir n'avait pas respecté le secret du vote. Dans 17% des bureaux de vote, on a accordé le droit de vote à des électeurs n'ayant pas de carte d'électeur ou qui n'avaient pas leur nom sur les listes. Dans 6% des bureaux de vote, on ne marquait pas à l'encre indélébile tous les électeurs. La MOE CIMOCEL relève que le scrutin a été interrompu
pendant plus de 30 minutes dans 18% des bureaux de vote à cause des problèmes techniques, notamment les pannes des machines à voter, dans 5% des bureaux de vote à cause de la rupture du stock de matériel de vote, dans 3% à cause de troubles sur les déroulements, on va revenir sur le trouble tout à l'heure, dans 5% à cause des intempéries, notamment à Kinshasa, on a connu les pluies et ça s'est répercuté dans les autres provinces. Et puis 1% pour d'autres raisons. La Moïse Simoncel a noté que sur l'examen de 2700 rapports faisant l'objet du présent rapport préliminaire, il a été reçu 903 rapports d'incidents. 46,24% de ces incidents, soit 314 cas, ont eu les électeurs comme auteurs. 22,83% d'incidents ont eu les agents de la CENI comme auteurs, soit 155 cas. 30,93% ont eu les candidats et leurs témoins comme auteurs, soit 210 cas. Les femmes ont été victimes des incidents dans 21% de cas, soit on a noté 146 incidents contre des femmes ou agressions contre les femmes. Les candidats ont été victimes dans 19,49 cas, les agents électoraux dans 34,29 cas. Et donc, on va voir que les électeurs, dans 46% des cas. Et donc, les incidents ont souvent ciblé, si pas les électeurs entre eux, en deuxième position, c'était les agents de la CENI. Procédure et fermeture. Procédure des fermetures et des dépouillements. La Moïse Simoncel a constaté qu'il a été très difficile de suivre la conformité d'ouverture et des fermetures des bureaux de vote aux heures légales, qui vient de 6 heures juste à 17 heures. La plupart des bureaux qui ont ouvert à l'heure, à la date du 20 décembre, ont fermé tard dans la nuit ou le lendemain. Il est signalé des bureaux de vote qui ont fonctionné même pendant près de 48 heures. Il y a eu engouement de la population au cours de toute la journée, l'ouverture comme la fermeture des bureaux de vote signifiant un véritable intérêt de la population pour les scrutins. Les procédures de dépouillement ont également connu des incidents variés dans 10% des bureaux de vote observés. La Moïse Simoncel a constaté également que dans 87,92%, les PV ont été rédigés sur base du comptage manuel de vote. Le comptage manuel des résultats était conforme au comptage électronique dans 93% des cas. La Moïse Simoncel a noté que dans 9% des bureaux de vote, les témoins des candidats ou des partis n'ont pas reçu une copie de la fiche des résultats. Ça s'appelle exemplaire du procès-verbal de dépouillement. Dans 15% des bureaux de vote, les résultats n'ont pas été affichés publiquement devant le bureau. Il faut peut-être parler des incidents sur les scrutins. À l'issue de son observation, pour la Simoncel, la pertinence de l'observation des incidents réside dans les réponses aux questions majeures d'impact que ceux-ci peuvent avoir sur les scrutins. Entre autres, la Simoncel pose et demeure sur les trois questions principales suivantes. Premièrement, quel est l'impact des différents incidents sur le taux de participation des électeurs au scrutin? Et je pense, ça c'est les résultats que la CENI publie, qui vont finalement nous donner le taux de participation réel. Donc la première question, c'est l'incidence ou l'impact
de tous les incidents sur le taux de participation. La deuxième question majeure pour la CIMOCEL, les retards observés dans l'ouverture de bureaux de vote, la disparité des fonctionnements de bureaux de vote, répondait-il des défis logistiques ou d'une stratégie? Si c'est une stratégie, quel était le but? Troisième question que la CIMOCEL se pose, quel est l'impact des différentes irrégularités constatées sur les résultats? Et les différentes irrégularités, nous les avons mentionnées, et il y en a celles qui ont fait l'objet de notre lettre à la CENI pour essayer d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Recommandation. Au vu de ce qui précède, la CIMOCEL recommande au gouvernement de poursuivre les auteurs des violences commises sur les observateurs, sur les témoins et sur les agents électoraux. Parce que les agents de la CENI ont aussi été victimes. Il n'y a pas que nous à nous plaindre. Et nous, la CIMOCEL, nous avons eu nos observateurs qui ont été victimes et qui ont perdu des choses. Deuxième recommandation, de poursuivre les auteurs des atteintes aux libertés fondamentales et des violences faites aux femmes pendant ces scrutins. Et il y en a eu, on a vu des femmes horriblement violentées. À la CENI, de communiquer davantage pour clarifier les irrégularités observées, notamment sur la détention de dispositifs électroniques de vote, du matériel sensible, par les particuliers. Aux candidats et responsables des partis politiques, de collecter les preuves, de suivre la voie légale pour leur réclamation, le cas échéant, de sensibiliser leurs militants sur le civisme lors des manifestations publiques. Et vous êtes témoin avec nous qu'il a été observé comment des militants d'un parti s'en prennent à d'autres, et ce sont des citoyens avec lesquels nous vivons, avec lesquels ils vivent, qui sont des victimes et innocentes de cette situation. Et donc il est très important que les candidats et les responsables des partis politiques sensibilisent leurs militants sur le civisme lors des manifestations publiques. Mesdames et messieurs de la presse, voici l'économie du contenu de la déclaration préliminaire de la CIMOCEL. Je vous remercie. Présidentielle et autres préoccupations, vous avez saisi la CENI par rapport à la détention de machines par de particuliers. La CENI a annoncé la mise en place d'une commission. Cette mesure-là ne vous rassure-t-elle pas? La CIMOCEL a un avis par rapport à qui arrive en tête, qui dévance qui, par rapport aux petits échantillons qu'il a. Sur l'échantillon de notre observation, la CIMOCEL a une idée, le candidat qui dévance, mais il n'appartient pas à la CIMOCEL de se prononcer là-dessus. La CIMOCEL laisse la primeur à la CENI, d'autant plus que notre échantillon, il faut le reconnaître humblement, n'est pas de la même taille que l'échantillon de la CENI. Nous serons très intéressés après à voir à la compilation si sur notre échantillon il y a une conformité entre les résultats bureau de vote que la CENI va proclamer avec ce que nous avons. Mais comme vous le savez, l'observation de la CIMOCEL c'est plus fondée sur la qualité du processus électoral plutôt que sur le PVT. La CIMOCEL n'a pas officiellement fait de PVT. Mais certains partis politiques dénonçaient des irrégularités. Est-ce que la CIMOCEL peut nous dire aujourd'hui toutes ces irrégularités peuvent mettre en cause les résultats publiés par la CENI ou ces irrégularités ne changeront pas l'ordre d'arrivée des candidats quand il y aura proclamation définitive ou partielle demain 31 décembre? Nous le disons toujours, la CIMOCEL a observé une portion, il y a beaucoup d'autres missions qui ont observé,
Il y a aussi le rôle, il faut dire que là-bas, Denis Kadima, le président de la CENI, a souvent appelé les politiciens à cela. Ça veut dire que le rôle de la surveillance des scrutins revient évidemment, la CIMOCEL fait sa part, mais la part de la CIMOCEL n'est pas la seule qui puisse compter sur la dernière balance. Il y a beaucoup d'autres missions. Il y a les candidats eux-mêmes qui sont obligés de collecter des données. En collectant ces données, il va falloir les porter devant la Cour constitutionnelle. Et je pense, à partir de ce moment-là, au vu de toutes les preuves qui sont collectées par différentes parties prenantes qui vont saisir la Cour constitutionnelle, il va être maintenant capable de dire quelle a été l'incidence. Et c'est ça les questions sur lesquelles la CIMOCEL reste. C'est pour ça que la CIMOCEL, à ce stade, reste sur les trois questions majeures qui sont celles de l'incidence, des incidents ou l'impact des incidents sur les résultats. Voilà, donc à ce stade, la CIMOCEL ne pense qu'elle n'a pas l'autorité de se prononcer sur la totalité des scrutins ou de dire dans quelle mesure. Mais elle pense que sur ce qu'elle a observé, la CENI fera œuvre utile de clarifier notamment cette question de dispositifs électroniques de vote. Et il y a toute la liste des irrégularités sur lesquelles nous saisissons la CENI. Une deuxième question. Point d'observateur, et pas juger leur position. Ben, nous constatons qu'il y a beaucoup de candidats, d'abord qui n'ont pas battu campagne. Il n'y en a que trois qui sont sortis un peu du lot. Et donc nous constatons aussi qu'il y en a beaucoup qui se sont affiliés d'un camp ou de l'autre, n'est-ce pas? Mais la CIMOCEL constate aussi qu'il y a des candidats qui n'ont pas attendu la CENI pour choisir leur gagnant. Alors, la CIMOCEL ne peut que constater. Nous constatons cette pratique. Peut-être qu'il faudrait approcher ces candidats pour leur demander quelles sont leurs motivations. Africa cool, et ben a cool, ouais. Africa cool, et ben a cool, le quoi cool ma topi. Après vous toujours, 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 après vous toujours, toujours, après vous, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, ils achètent beaucoup, parce qu'ils ont confiance. En tout cas, nous avons 5 ans, nous avons souscrit, bazoa. Donc, ils ont vraiment été au balo bakaki, bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zanamoana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa cool télévision, ouais, ouais, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Ouais. Donc Eza et Loro Nabiso, Tosepe Laranango, Yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa cool. Et au moins ma chaîne Eza impartial. Loro Nabino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication, optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça to partageaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutu bo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino. Voilà. Ezali partager. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.